toi faire bobo. Je... Au Krabs faire bobo à toi. Comment il réussit à... Très gros bobo. Non, mais je prends le couteau et je l'enfonce dans un endroit où je sais qu'il sait... Enfin, où c'est pas trop grave, quoi. Ok, tu fais un... En gros, tu lui plantes pas dans le fémoral, tu lui fais une coupure à la jambe, quoi. Un endroit où il sait se soigner un peu, quoi. C'est-à-dire... Ben, dans le gras, oh, il n'a pas de gras. C'est vrai qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien épais. Il n'est pas bien épais. Mais non, je vais dire, ça fera pas mal. Et alors, vous remarquez sur le côté que les autres rats, quand il prend le couteau, ils sont excités, quoi. Ils ont la patte qui se met à trembler, quoi. Et ils émettent même une odeur puante, quoi. C'est vraiment l'excitation du. Enfin, c'est ça nous fout quasiment une demi-molle, quoi. Enfin, c'est l'idée de voir du sang les excite vraiment. D'accord. Bah écoute, c'est dans la faites un jeu de perception. C'est dans le fémur. Moi, j'essaie de rester éveillé à une possibilité de forcer échapper ici tout. Ouais. De trouver en fait, le moment où agir. Un moment où on pourrait être actif quelque chose. Je vise le fémur pour pousser l'os, tu vois, pour que il puisse continuer à courir s'il faut, quoi. Okay. Ça va faire très mal. Fais un jeu de force mentale. Un degré de réussite. Moi ? Ouais. T'entends les bang-bang qui, de l'autre côté, là, qui ont l'air d'être un peu plus fort, et t'entends, tu vois, aussi les réactions près de toi qui font un peu vers cette direction-là. Ouais. J'ai fait 45. C'était pas eu, en fait. C'était pas eu, quoi. J'ai moins... Oui, j'ai raté, mais j'ai moins de... Ok, bah tu te dis... et toi, t'as fait combien avec ton jeu de perception? Tout juste. Okay, bah t'entends ça aussi, en fait. Alors, tu sais, tu te dis, je vais lui planter dans la jambe, quoi. Et je vais faire un endroit où ça fait pas trop de mal, quoi. Et tu vois, non. Et puis il est comme ça. Et toi, t'arrives et tu fais... T'arrives pas. T'arrives pas. Mmh. Quoi ? Ça va pas ? Pas moyen ! Regarde ! Quoi ? Et alors, tu vois, il s'énerve qu'il fait des petits bonds comme ça. Il sort un gros couteau et il fait comme ça ! Et alors, il plante un couteau, mais comme ça, dans sa cuisse. Et là, vous entendez le druide qui fait... Faites un jet de force mentale. Vois rien. 18, réussite. Tu l'as vraiment dit, ça ? De quoi ? Le enfoiré. Ah, ça faudrait voir si je peux l'aider. Je l'ai dit, oui. Ok. Toi suivant. Toi avoir dit quoi à Kraps? Toi avoir dit moi? Toi avoir insulté Kraps? Toi avoir insulté Kraps? Tu vois qu'il commence à s'énerver comme ça. Et il te secoue. Et il t'a mis une pêche. T'as pas perdu de poids de vie, mais il t'a mis une gifle. Putain, c'est une méga torgnole, quoi. Ouais, je sonnais, quoi. En fait, il s'est vraiment excité dans la passe où il te secouait, et la gifle, c'est vraiment parce que t'as laissé suivre le coup, mais techniquement, tu te dis, putain, si ça charme sur moi, il peut me décrocher la mâchoire sans problème, quoi. En retirant le couteau, ça a giclé un peu, donc vous avez eu un peu de sang sur vous, du druide, et vous voyez que la lame, c'est un truc bien rouillé, bien dégueulasse. Est-ce qu'il y a des sources de feu à proximité ? Il y a sa lanterne, qui est un peu plus loin. Ouais. Non mais il vient de me montrer, donc je suis comme ça, donc il y a la jambe qui est là, je vais enseigner. J'étais comme ça. Ouais. Et lui il arrive et il fait clac. Il le plante dans le... Voilà, donc il a sa gueule, juste au-dessus de la mienne. Oui. Donc là je prends le couteau et je le mets au-dessus. Négociation. Mais c'est trop tard maintenant, ça fait déjà... Fais un jet d'agilité pour voir si tu... peux rattraper ce truc là, mais là c'est quelque part quand tu vas le faire, il t'a entraîné avec lui en allant réagir avec lui. Ça va, hein. Réussi ? Agilité, oui, certainement. Tu fais un jet de CC. Ouf, ça j'aime pas. Bah, c'est raté ça. Ok. En fait, tu as pensé très fort au truc, t'as essayé d'amorcer le mouvement et lui il s'est direct précipité, il t'a juste bousculé, t'es tombé à terre, quoi. Et tu vois qu'il est en train de le secouer, et là il lui met des claques, bam, bam, comme ça dans la gueule. Et t'es un peu... Wow. Là, je reste sonné au sol. Il faut dire négociation. Oui, de toute façon, je l'ai dit. Ouais, t'as dit négociation. On te dira pas où sont nos amis. Rien à foutre, tes amis. Toi, dire où est Pierre.
J'ai moyen de prendre discrètement un truc dans mon sac. Si... Mmh. Tu peux essayer. Ouais. Fais un jet de dextérité. Je vais faire un jet de perception pour eux. Les autres. Comme vu qu'ils sont un peu excités, tu te mets un plus 10% parce qu'ils sont excités par la vue du sang. Donc là, ils trépignent de. Ils sont tout fous. Mais tu vois qu'ils se lèchent. Ils sont. Depuis le début, ils sont excités partout quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, 3 degrés de réussite. Tu peux. Qu'est-ce que tu veux faire en fait avec les trucs dans ton sac? Prendre de l'huile. Prendre de l'huile, ok. Non seulement t'arrives à la prendre, mais ouais, c'est un petit flacon, c'est ça? Oui, c'est prendre des flacons. T'arrives à prendre le flacon et ils ne t'ont pas vu. Et tu vois que pour l'instant, ils sont. Tu gardes un plus 10 si tu veux faire un truc discret par rapport à ça, parce que pour l'instant, ils sont surtout concentrés sur lui, sur la jambe du druide qui pisse, ouais. Et un peu sur la halfling qui est à terre et qui commence à perdre un peu de crédibilité par rapport à... C'est à quelle distance je suis de la... Et pendant ce temps-là, le druide hurle. Hein. Je suis à quelle distance du feu? De la lanterne. Tu es à 2 mètres de lui. Mm-hmm. Sachant que la lanterne, elle est accrochée à sa ceinture. Si j'ai bien compris. Non, je l'avais déposée. Ah, tu l'as déposée. Elle est déposée près d'un tombeau. Près de l'huile, en fait. Donc, c'est envisageable de balancer la lanterne sur lui et rajouter de l'huile sur le feu. Bah, déjà, rien que lui balancer la lanterne, attends, il est déjà. Il est en face de toi, ouais. Et la lanterne, elle est là-bas. Mm-hmm. Non, elle est à côté, en fait. Parce que s'il n'a pas bougé de la tombe, elle était à côté de la tombe. Ouais, juste. Il est à côté de toi. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Mais après ça, je sais pas comment faire pour. Moi, j'ai plus d'éclairage. Quoi. Une chose à la fois. Je hurle. Craps, magnifique. Moi, applaudir, tu vois. Magnifique, grand Craps. Il est toujours sur lui. Oui. Bah voilà, en fait, je t'ai sauvé la vie, mais maintenant. Oui, enfin là, il vient de le puncher, quoi. Et alors, il te regarde et il a. Comme un sourire sadique en te regardant et il bave dessus, quoi. D'ailleurs, il faudrait que tu fasses un jeu d'endurance pour ça. Parce qu'il sourit? Non, parce que t'as de la bave sur lui. Ah non. Contact très fort avec lui et... Oh là là. 70 raté de 2. Ok. Donc, vas-y. J'ai dans la situation. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit? Là, il vient de tomber sur ta cuisse, sa tête vient de tomber sur ta cuisse. Il est. Ouais, mets-toi un point dans la gueule. Ouais, franchement, ouais. Il t'a punché, mais comme c'est pas permis, quoi. Et il a des. Tu vois, c'est des pattes comme ça, et en plus, t'as des marques de griffes, quoi. Ouais, ouais, pas de soucis. Ouais, donc c'est pas possible qu'il agisse, lui. Si. Le truc. Là, vous êtes en contact l'un avec l'autre. Il vient de tomber comme ça sur toi, et à l'autre, il fait. Tu vois, il est possédé par le truc, ouais. Il est content, quoi. Ah, il est tombé sur... C'est moi qui tombe. Donc tu m'as dit, il est à côté de toi. Ouais. Il a mis une pêche, et alors, avec le mouvement, il a sa tête qui est claquée contre ta cuisse, en fait. Oui, bah, j'essaie de lui indiquer d'un coup d'œil la lanterne. Fais un jet de perception. Sachant que là, t'es un petit peu... Ouais, c'est ça. Donc, un jet de perception moins 10, parce que là, franchement... Fais-moi un jet d'alphabet oculaire, s'il te plaît. Signe, parce que j'ai... Tu vois qu'il te fait un petit signe. Vers la lanterne, c'est ça? Ouais. Tu veux dire? Et tu remarques qu'il a... Lanterne, je fais lanterne, craps, en fait, avec les yeux, je regarde la lanterne, craps. Mais comme on est très proche, je peux essayer de m'adresser qu'à lui. Ah, je peux peut-être... Là, tu veux lui communiquer, enfin... Bah, si tu te doutes bien qu'ils ont une très bonne ouïe, aussi. Mm-hmm. Mais là, il y a un petit avantage, c'est que Krabs est en train de se retourner vers la halfling et vers le druide. Donc, il retourne vers le druide, il lui remet un grand couteau dans l'autre cuisse. S'il montre la lanterne et qu'il montre Krabs, je comprends où ils vont en venir, quoi. À ce moment-là, ce que je peux faire, si la lanterne est à portée de main, c'est faire un jet de CT pour lui. Le balancer dans le vu qu'il se tourne, là il est en train de se retourner pour d'accord. Ok, on fait ça alors. 29, ouais, donc ça fait 4 degrés de réussite. Ok, donc si j'ai bien compris, tu lui balances la lanterne. Donc je prends vite la lanterne, et moi j'ai anticipé dans la nuque, quoi, tu vois, je l'explose la lanterne dans la nuque, en fait. J'ai anticipé pour l'asperger d'huile au moment où il balançait. Ok, faites un jet. Ça peut marcher. C'est juste, est-ce qu'il y en a pas un qui t'aurait marqué? C'est ça que je regarde, parce qu'il y en a un qui t'a marqué. Maintenant, faut voir s'il est
rapide. Si tu veux, je viens de faire un jet de bonus de 10. Si, oui. Si tu veux, je fais un jet de discrétion parce que j'ai ça, j'ai fait 0. Un jet de quoi? Ouais. J'ai quoi fait 0 de discrétion. 100 ou 0? 0,8. Ah, okay. Discrétion. Parce que j'ai discrétion aussi. Hein, c'est... Enfin, dissimulation en fait. Ouais. Dissimulation. Ouais, dissimulation. Déplacement silencieux ou dissimulation, j'ai les deux compétences en fait. Je sais pas si ça peut, en mélangeant les deux, ça peut dire de faire un truc assez rapide quoi. Sinon, je peux te dire. Ok, avec... non, avec les compétences que t'as, je considère que t'as réussi à survivre. Ouais, moi j'ai réussi. Parce qu'ils sont quand même distraits, ils sont. Sinon, j'ai réflexe éclair, il peut peut-être pour niveau rapidité. Non, mais pour moi c'est faisable. Surtout que là, il est déjà en train de se diriger vers le. Donc. De toute façon, tu prends pas. Puis il faut pas oublier que dans cette situation, vous avez quand même une bonne poussée d'adrénaline quand même. Oui. Donc voilà. Quelques coups dans la gueule. En fait, ce que tu veux, c'est qu'ils prennent feu avec le. Moi, j'asperge d'huile en même temps. Hein. J'ai donné le signal, j'ai anticipé, donc je l'asperge d'huile en même temps. J'attends pas Ce que ça va. Tu balances en même temps. Oui, c'est. C'était réussi. 4 de réussite. Ok. Vous voyez que là, il commençait à sortir son couteau pour planter dans le boucher et que sa queue se dirigeait vers l'infini. Alors toi, tu lances le truc, lui qui balance lui aussi, et vous voyez que il a quand même une grosse fourrure, si tu veux. Quoi, bah oui, c'est vrai. Et tu éclates dessus, ta lanterne explose, ça tu peux l'effacer quoi. Ouais, enfin, c'est fini, ouais. De toute façon, c'était une lanterne de la chaos. Lumière, il y a plus de lumière dans la salle d'un coup parce que il prend feu en fait, il prend vraiment feu. Il me reste et vous voyez qu'il commence à faire. Il se débat dans tous les sens, les autres rats sont paniqués à la vue du feu et vous voyez qu'il détale. Enfin, c'est une cohue, hein. Il vous bouscule et il détale vers le là où il y a le bruit du ruisseau. Quoi. Et vous voyez, quand Crap, il t'a regardé, t'as vu un moment son œil comme ça, quoi, qui vraiment entre la surprise, la terreur et la haine, quoi, tu vois, t'as pu lire tout ça dans juste un œil, quoi. Et il galope vers le truc en poussant des hurlements. Quoi. Mais est-ce que je peux, malgré tout, malgré les coups que je me suis pris, tout le bazar, est-ce que je peux sauter sur mon arc? Pour rapidement foutre des coups de flèche à tout ce qui bouge, quoi. Oui, l'empêcher d'aller éteindre le feu, qui crève, quoi. Ouais, ouais. Oui. Le truc, c'est que. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'il y a toujours de la lumière autour, quoi. Ouais, et puis non, il y a la lumière, il y a lui. Tu peux tenter, vas-y. Ok, bah alors je saute, je ramasse l'arc, et alors, bon, tu me dis si j'ai au moins un tour d'attaque, quoi. Je te fais un moins 10 quand même, parce que vu le. Ouais, vu le bordel, ouais. Il faut voir si je vais pas toucher. Moi, je fonce sur le druide, par contre. Ok. Bah, le druide, en fait, il est tombé à terre, quoi. Tu vois, il tient sa cuisse et. Toi, t'es un peu le cul à terre sans trop comprendre ce qui se passe. Maintenant, tu peux peut-être faire quelque chose si tu veux. Mais donc, il y en a un qui passe à côté de moi, je suppose. Qu'est-ce qu'ils ont sur eux, en fait, à part une arme? Tu vois qu'ils ont des espèces de mélange de vêtements cuir, enfin, c'est plus des loques, quoi. Avec des morceaux d'armure, mais éparses, quoi. Des armures qui vont pas forcément ensemble, mais qui ont été quand même forgées pour leur physique à eux, quoi. Il y en a pas. Je me dis, mais ils détalent, imagine, quand on dit détaler comme des rats, c'est pas une expression pour rien, quoi. C'est. Ils ont pas des gibecières, des choses comme ça, quoi. Ils ont des trucs sur eux, oui. Mais quand j'en vois un passer, j'essaye de couper le lien d'un des sacs. Même dans ces cas-là, t'arrives encore à les piller, quoi. Ça va être un truc sur l'escamotage ou je sais plus quoi. Enfin. Ah au niveau de mes attaques, j'ai fait deux attaques de réussite, donc une avec 4. Une c'est 1 grade de réussite et l'autre j'ai fait 4 grades de réussite. Et j'ai tous les deux dans la tête. Dans la tête. Ouais, j'ai fait 50 pour le premier, 21 pour le deuxième, et alors donc ça fait tête à chaque fois, quoi. Ouais, mais attends, comment tu n'as pas visé Non, je vise pas. Dans les deux, t'as réussi. Ouais. Donc il se rase deux flèches à la tête de Krabs. Ouais. Bon, bah on va déjà faire la première. Un des 10 plus... 3. Ça fait 8 plus 3, 11. Plus 3. Moins 1 avec la armure. Et l'autre, ouf, 9. Attends, ouais. 11 et 12, putain. En plus, c'est pas rien. J'ai raté mon premier jet, mais là, est-ce que si j'ai réussi... Si il a un casque, ça transperce.
C'est moins 1 que le perforant, mais ça ne traverse pas, c'est juste un casque. Oui, parce qu'il a moins... Ouais, il a, regarde, moi, sa protection d'armure est diminuée de 1. Ouais, mais regarde, moi, en cuir, c'est 2, donc imagine-toi en fer, il faut que c'est 3 ou 4, tu vois. Deux secondes, tu peux me répéter. Le premier, combien de dégâts ? 11 à la tête. Ok. Tu vois que ça transperce son casque, et son casque fait un peu comme ça, mais il roule un peu, son casque fait un peu... se balance un peu sur la flèche, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment un morceau de flèche planté dans sa tête, et là... Ah ! Krabs monté ! Krabs brûlé ! Krabs pas content ! Et je tac. Et là, on entend... Une deuxième, vas-y. Toujours tête, 12. Ouais, non, là, j'ai fait 3 deuxièmes, mais là, je fais 8 et 9, quoi. Donc, Et alors, il se tourne dans ta... Krabs pas content ! Et alors, il se prend en pleine tête, quoi. Et tu vois qu'il est... Et il tombe à la renverse. Et alors, et ben, il y a deux omras qui sont derrière, qui traînent avec lui, quoi. Moi, tant qu'il y a des rats, je tire. Ok. Mais, non, mais je pourrais... T'es pas obligé de faire des dégâts ni le combat, mais je te dis, je m'en fous. Le dernier omra que t'as apporté, tu lui plantes une flèche dans le cul. Ouais. Il t'étale encore plus vite. Et t'entends des petits... Bon, le tour... Ouais, c'est rien passé, hein. T'as pas réussi à piquer quelque chose, mais ils sont passés super vite devant toi. Oui, mais c'est ça, moi j'étais couché, je me suis dit peut-être que s'ils passent à côté de moi, je fais un check. Mm-hmm. Le druide, je suppose qu'on peut considérer ça comme une blessure grave. Oui. Donc j'ai 1 degré de réussite pour les soins. Et tu vois qu'il est pris de tremblement en fait. J'ai... Aussi bizarre que ça puisse paraître, là, il a déjà l'air. La plaie a déjà l'air infectée quoi. Oui, mais j'utilise je comptais utiliser justement le cataplasme médicinal. Mm-hmm. Qui permet de passer de blessure grave en blessure légère. Oui. Sauf si je vois qu'il y a un truc à faire avant, parce que j'ai un degré de réussite. Qu'est-ce de l'Anflin là. Oui, parce que j'ai un degré de réussite à mon soin. Ouais. Ouais. Donc si je vois pas un truc à faire avant, je mets le cataplasme, donc il passe en blessure légère. Mm-hmm. Et fais quand même ton jet de premier soin. Un degré de réussite. Ok, très bien. Okay. T'arrives à le stabiliser, à nettoyer la plaie aussi, à la vitesse à laquelle tu peux, quoi, tu vois. Mais maintenant il pue. Et il regagne 7 points de vie. Parce qu'il est qu'à ta place, mais ça pue. Tu le stabilises. Ok, il va regagner 7 points de vie. Ouais. Il ne gagne pas paf d'un coup comme ça. Et pour l'instant, il est. Mais il n'a pas perdu conscience. Bon, il faudrait que j'aille voir quoi, parce que j'en ai plus là. Ils ont passé le couloir. Pendant que vous faites ça, tu entends un éboulement. Mais ouais. Et toi, tu vois de la poussière qui sort du couloir où t'as tiré ta dernière flèche. Ils sont partis où ? Vers l'endroit de la cascade ou l'endroit où on entendait les bruits ? L'endroit de la cascade, par ici. Un éboulement ? Par là ? Enfin, on entend un éboulement de par là ? Ouais. Ouais, visiblement, ils ont tourné, tu vois, ils ont. Attends, je peux. Si tu vas voir. En fait, ça part comme ça et comme ça. Ils ont tourné par ici. Mmh. Et là, tu vois de la poussière qui vient de par là, en fait. Oui, non, en fait, ouais, ils ont fait ça, qu'ils ont bouché le tunnel. Ouais. Alors, ben, vous avez... Litter, tu t'es un peu occupé des... Ah, ouais, moi, j'ai soigné tout le monde. Tout le monde, en fait. Sauf moi, mais moi, évidemment, moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Le druide s'en sortira. Et comme tu es bien intervenu, il n'aura probablement pas de séquelles. Au-delà des séquelles psychologiques, qu'on pourrait peut-être avoir. Je m'excuse auprès de lui, genre en enlevant le masque une minute, tu vois. Merci. De toute façon, désolé, j'ai joué la comédie, je sais que vous n'avez pas l'habitude dans votre village que je fasse des choses comme ça, mais c'était pour nous sauver la vie, là. J'ai cru que c'était bien. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu as fait le mieux. On a peut-être un petit peu tous paniqué, mais bon, on est sorti vivants. Je suis bien conscient que tu ne voulais pas. On n'avait jamais rencontré les êtres aussi rapides, en tout cas. Non, et aussi fort. Et la queue, il faut se méfier. Profitons qu'ils sont en fuite. Ah, le comeback. Alors, tu l'as mangé ? Et de nous tous, c'est lui qui a fait... meilleure sortie, oui. Conan, une attaque au corps à corps, il a réussi. C'est vrai. Il a l'air plus gros que... Non, il est revenu, il a pas mangé. Il boit un peu, en fait, en revenant. Ah, merde. Maintenant, on pourrait peut-être se dépêcher et aller voir d'où viennent les coups de pioche. Oui. C'est pas des bruits de pioche. C'est des bruits de coups. C'est sourd comme bruit. Ouais, bah des coups, ouais.
Du coup, je vais essayer de faire des soins sur le chat. Ok. Je vais enlever un point de fortune. T'en attends que ça, toi ? Ah non, je vais lui péter la gueule. Oui, oui, ça fait un... Ah ouais, c'est vrai que... C'est bourré de points de fortune. C'est bourré de ces choses-là. Oui, tu me l'abîmes pas, hein. Si. Si. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais non, j'ai raté, mais... Et bah, il se laisse pas toucher la patte. On dirait qu'il a une espèce de petite foulure, quoi. Petite. Bon, il pourra retourner dans mais ton sac. Hein. Il n'est pas... Voilà, il boite, mais il remonte dans ta place. Ouais. Et il se met à ronronner. Et vous entendez toujours au bout du couloir là-bas. Bah on y va. Bon, ça c'est le deuxième, ça, on va aller. On va aller, c'est bien. Oui, on y va. De toute façon, ils ont fait les boulis. Moi, ce que je pense, c'est que si c'est eux qui ont construit ces souterrains, enfin, à mon avis, non, c'est ils ont grottes, un autre moyen de revenir. C'est des grottes naturelles, il semblerait, ici. D'après ce que... Visiblement, de ce que tu... Ouais. Voilà. Parfois, un endroit ou l'autre, un peu la marque de l'homme, où on a, je sais pas, tu vois, aménagé une petite niche pour mettre une lanterne ou un truc comme ça. Mais... c'est pas une mine, quoi. C'est une caverne, à la base. Mais c'était plus un creux dans la pierre, quoi, à la base. Cette caverne était... caverne c'était une cavité, mais qui était bouchée, quoi, si tu veux. Ça m'étonne quand même qu'une caverne ait subsisté, malgré qu'il y ait une météorite qui est tombée juste à côté. On va par là. On suit les sons. La tête est ouverte par la météorite. Par le choc de la météorite, elle était ouverte. C'était une cavité en fait qui était sous terre et qui voilà. Ça. C'est pas forcément illogique. Alors, à mesure que vous pénétrez dans le couloir qui est quand même assez large en fait, on s'est passé à plusieurs sans problème quoi. C'est pas comme le petit couloir où là ils se sont suivis à l'enfilade quoi, tu vois. Alors, c'est assez surprenant avec les scavens, c'est que vous avez eu autant ils paraissaient grands et imposants, autant quand ils se sont mis à détaler. On dirait que leur corps s'adaptait vraiment aux dimensions de... De l'air froid. Du couloir, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à courir à deux, à un côté de l'autre, comme ça. Ils n'avaient pas l'air gênés par les cavités, quoi. C'est ça. Ils sont venus de par là aussi ? Parce que nous parce que oui, là, ils sont venus du côté où il y avait l'eau, ouais. Le bruit d'eau. Et de là aussi. Ok, d'accord. Ils sont arrivés de partout côtés, en fait. Okay. Et vous constatez aussi en vous rapprochant qu'il y a aussi un autre bruit d'eau en fait. Parce que ici ça tourne. Et là, au bout de ce couloir là, vous voyez qu'il y a une espèce de courant d'eau assez violent quoi. Assez fort quand même. Et ici, il y a des éboulis. Et apparemment, faites un jeu de perception. Réussi. Raté. 3. Ah bah ça dépend. Ça dépend de quoi tu parles. C'est la vue. Perception. C'est l'ouïe. Non. Okay. Ben, vous entendez toujours... un truc comme ça. Et ça vient de cet ébouli. Toi par contre, je te vois juste... C'est de derrière l'ébouli, tu veux dire. Oui, derrière l'ébouli. Ici, en mesure que vous avanciez et que vous rapprochiez de cet ébouli, la température a recommencé à chuter, en fait. Et vous voyez que Dieter est en train de poser son oreille contre la paroi. Écoutez. On s'approche. Les coups contre la paroi s'arrêtent. Quand vous êtes en train d'écouter, tout à coup, ça fait... On est en train de taper dessus comme des possédés, quoi. Et alors, vous entendez... Bon, moi, je recule et je bande mon arc. Ben, attends, je vais dire les noms, alors, des gars, pour voir comment ils réagissent. Et je vais dire, au hasard, Hans. Et t'entends... Hans, on est venu pour t'aider et t'écouter. Montre-toi. Voilà. Bah, tu sens des vibrations contre les rochers, quoi.
Est-ce que on a l'idée compétence force? J'ai peur qu'il ne soit pas. Rigueur est de retirer le rocher et moi genre, je le vise avec mon arc et si c'est quelque chose au moins je lui tirerai une flèche. Vous aurez le temps de dégainer. Non, non, non. Et en fait, toi, bien écouté avec le jet que t'as fait, c'est bizarre parce qu'on dirait le choc qui est contre les pierres là. Ça paraît, on dirait presque qu'on frappe du bois contre les pierres en fait. Du bois contre les pierres? Ouais. Du bois ou des os? Des os. Ça peut être des os, effectivement. Moi, j'ai peur que... Moi aussi. Pas simplement des fantômes. Libérez-nous. Mais toi... Bon, écoutez, retirez les rochers, moi, ouais. je reste mettez à la fin. Votre souffrance. Bon, de toute façon, on a dit qu'on le comment ferait. On fait... Non, comment on fait pour si c'est ce qu'on pense? Comment on fait pour... Je tire dès que je vois que c'est quelque chose d'hostile, je tire et puis vous dégainez et puis on boit. Au secours. On a de quoi fabriquer quelque chose qui peut retenir. Parce que c'est au trop... secours. Ça me... H. Qu'est-ce que j'ai bâton. Bâton, ça marche. On va vous aider. Moi, j'utilise mon piolet. Je casse. On va vous aider. Tu commences à... Oui, je suis un peu petit, les gars. Quoi, tu peux m'aider ouais. Mais toi, tu peux rester derrière, tu vois, ça peut te... Bah, moi, je reste en joue de... Que le druide, peut-être, m'aide, et... parce que lui... Ouais, il est peut-être mal en point pour le moment, le druide, je sais pas. Mais... Vous êtes en train... Le druide, il est pas capable de... Qu'il se soit, lui, dans le fond du, de la cavité. Il avait une arme, la cavité. Druide, lui. Il n'utilise pas d'arme. Il avait un bâton. Il a un bâton, ouais. Oui, il a un bâton. Il ouais. avait un couteau, mais il s'en sert surtout pour bouffer, couper des trucs pour le... pour la survie, quoi, en fait. Et... est-ce que tu as esquive, Mili? Non, je ne l'ai pas. Okay. Fais un jet d'agilité divisé par deux. Non, tu me demandes, c'est les dés qui doivent être divisés par deux. Ok. T'es en train de creuser, d'enlever les rochers, tout ça. Et à un moment, Mili, t'arrives à voir, faire un trou, quoi, et à voir qu'il n'y a rien derrière. À ce moment-là, il y a une main qui te saisit et qui te tire comme ça contre la pierre. Et tu vois que la main, c'est juste des os, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, ça cogne. Vous voyez qu'elle est accrochée et que ça cogne comme ça qu'on tire sur... Oui, bah, je vais pas laisser faire. Hein, j'utilise mon piolet et je casse dans le bras. Ok, bah, au moment où tu te précipites pour aider, tu vois qu'elle fout un coup de piolet dedans et elle a la main qui s'arrache, quoi. En regardant à travers le trou, vous voyez qu'il y a quatre squelettes. Hein, qui sont debout avec des lambeaux de vêtements. Vraiment, c'est plus. Ce sont des reliques de vêtements, quoi. Il n'y a plus rien dessus, quoi. Si et alors, ils sont en train de se cogner contre la paroi, quoi. Et c'est assez étrange parce qu'il ne reste plus de chair dessus. Et malgré ça, on sent une sorte de. Il y a une atmosphère mélancolique là-dedans, quoi. Et depuis que vous avez. Tirer, il y a eu un peu de lumière qui est passée là, vous voyez qu'ils sont en train de se précipiter contre les rochers, quoi. Ils sont excités, quoi. Est-ce qu'ils ont encore des enseignes, ils ont des choses encore sur eux, sur leurs os, je dirais, est-ce qu'ils ont encore des objets? Bon, je sais pas là, si c'est de la vue, servir ça. À grand chose. Je pense qu'il faut quand même les ouais, mais c'est, là, les rouvrir. Souffrance. Faut détruire les squelettes. Il fait nuit dans le trou. Et vous vous demandez quand même d'où viennent ces voix, quoi. Enfin, c'est des squelettes, quoi. Enfin, déjà comment un squelette. Il fait nuit dans le trou. Oui. Oui, bah alors je vois très bien, je pense. Enfin, je vois bien. Les flèches vont peut-être pas servir à grand chose. Tu vois que en fait c'est un cul-de-sac, quoi. Et visiblement ils ont été enfermé là, quoi. Quand il m'a tiré, j'ai vu un petit peu ce qui se passait, quoi. Bon. Bah, visiblement, ils ont une... voilà, y a un éboulement là. Ils ont été enterrés vivants. En gros, c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin de les sortir si on veut les enterrer. On leur fait tout un processus. Tu vois. Les ouvrir, moi je pense que c'est un de souffrance! J'ai l'impression qu'il a dit détruire, enfin tuer nous quoi. Oui, on ouvre un passage pour qu'ils puissent lentement passer à travers et on fracasse les squelettes pour en terminer avec ça. Ensuite on leur fera une sépulture. Mm-hmm.
Ok. C'est juste, mais c'est un... Comment tu prépares ça? Parce oui, que voilà. À chaque fois que tu enlèves une pierre, il y a d'autres trucs qui s'écroulent dessus, si tu veux. Enfin. C'est pas, ça veut dire c'est pas une matière stable. C'est moi, je dirais qu'ils ont, déjà une sépulture. Non, ils sont dans une non-vie. Si, juste pour information, aussi le truc, tu vois, le temps que vous soyez arrivé pour faire un trou là, il y a. Vous avez mis à peu près une heure. Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que là, je me rends compte, j'ai fait ça un peu en accéléré, mais ça a pris du temps d'enlever les rochers. D'accord, ok, pas de soucis. Moi, je dirais, il faudrait voir d'abord qu'on demande aux druides de faire une prière pour voir comment ça se passe. S'ils s'effondrent à ce moment-là et que les esprits se libèrent, on le saura tout de suite. Et si ça marche pas, alors on va sur ton idée. Il vient en boitant et il commence à prier. Pas très convaincu, hein. Et alors, moi, je dis les noms, donc je lui répète que c'est Fritz, Hans, Peter, Erwan. Bah, il essaye, quoi. Tu vois, il essaye en disant leur nom et tout. Mais en fait, à chaque fois qu'on dit un des prénoms, il y a un des squelettes qui dit tuez-moi. Il faut détruire. Il faut détruire cette abomination. Nous sommes maudits. Et si on les brûle? Non, ce sont des squelettes. Il faut les détruire, faut les fracasser. Ça faut beaucoup pour boucler les deux os. Allez. Vous voyez, en fait, ils ont l'air de rien, ils ont... Il y en a un qui a une épée, deux autres qui ont une pioche et un autre qui a un marteau. Et qui sont relativement rouillés, quoi. Mais ils tapent comme ça contre le mur avec, quoi. On va les aider. C'est impossible d'arrêter. Oui, ils ne contrôlent rien, ils ne contrôlent rien. Il faudrait juste ouvrir comme ça. Nous sommes maudits. Il faudrait ouvrir suffisamment pour qu'il y en ait qu'au moins un qui puisse sortir. Moi, j'ai une... au moins un à la fois. Moi, j'ai un javelot. Je tirerai des flèches, si. Non, ce sont des... Comment vous y prenez, en fait, pour, sachant que c'est des gravats, comment est-ce que vous y prenez pour les faire sortir un à la fois, en fait? Non, ça, pas spécialement un à la fois, mais au moins un. Laissez suffisamment... C'est pas espace. Réalisable, hein, c'est juste ça. C'est qu'il y a une ouverture, pas une énorme ouverture. Juste quoi passer à la Non, oui, mais après ça... Attendez, ce qu'on peut faire, c'est laisser suffisamment d'ouverture pour qu'il y en ait un qui sorte en rampant, et puis après, remettre un gros caillou dessus, quoi. Puis on attaque un, puis on refait ça, quoi. En faisant comme ça... Il y a peut-être moyen, quoi. On y passe, on le fracasse. Ben, on se met sur les côtés comme derrière une porte, quoi. Et puis suivant, on le glisse, et puis suivant, la chaîne, quoi. C'est un peu pathétique. Tu as fait de telle sorte qu'il ne puisse pas nous attaquer dès qu'il sort, quoi. Allez, dès qu'il y a un bord qui passe, non, mais. S'il passe, moi, l'épée va passer, il va taper dans le bouclier. Mon bouclier n'est plus tout à fait en forme, mais il peut au moins. Il peut encore servir, voilà. S'il fait ça avec son épée, ça va aller. Un coup sur l'épée pour la dégager. C'est le marteau qui marque. Ok, on peut faire comme ça. C'est le truc, s'ils sont à ramper pour passer, dès qu'ils sortent, on contrôle. En même temps, si tu me permets, tuer est une. C'est une. Il est déjà mort, c'est pas tuer. C'est pour ça que je me demandais une flèche, peut-être que ça marche, tu vois. Je veux bien essayer avec une dague pour voir ce qui se passe, tu vois. De toute façon, il faut en faire sortir un. On bénit une dague et. Tirer dans le vide, ça sert à rien. Ça peut être pas mal, ça. Parce qu'ils sont déjà dans une sépulture, moi, je trouve. Maintenant, est-ce qu'il y a... Ou alors... Non, ils sont en non-vie, là. C'est une abomination. On voit les quatre à l'intérieur, là. Mm-hmm. Est-ce que... Faire un jeu de perception. Pas nécessairement. C'est parce que je me dis, est-ce que en prenant mon temps et en visant, est-ce que si je tire une flèche dans la tête, voir ce que ça peut donner? Sur un, pour voir, en fait. Vas-y, essaye. Vous ménagez une espèce de meurtrière comme ça. Ouais, c'est ça, et puis pour voir si j'ai. Si je éclate le crâne, ça peut peut-être le faire. Moi, je regarde. 27 fait 4. 4 degrés de réussite. Ouais, ok. Donc tu peux viser dans la tête, surtout avec la distance qu'il y a. 7. 7 de blessure. Bah. Ok, il y en a un, tu exploses la tête avec le truc, il tombe à terre. Et les os tombent en poussière, en fait. Les os tombent en poussière. En tombant, les os tombent en poussière. Bah alors je vais faire ça alors pour les trois os. Pas besoin de lancer les dés. Si tu prends ton temps. Le seul truc, c'est que par contre tes flèches disparaissent avec. Enfin, elles sont réduites en poussière. C'est comme si c'était une espèce de désintégration. Pas de souci. Et il y a un truc qui t'intrigue un peu sur un d'entre eux. Fais un jeu de perception. 0,3. Ok. Tu remarques qu'ils ont des brôles à eux aussi derrière, tu vois, qui restent leur couche, leur paillasse, il y a peut-être des choses intéressantes.
Et le dernier que t'as tué, t'as eu l'impression qu'il avait une babiole accrochée autour du... Genre un truc qu'on avait besoin et qu'on ne retrouvait pas dans... Une babiole. Ben oui. Ben, ça me semble la clé. La dernière clé. Il y a combien de squelettes? 4. Là, les a tous dégommés. Hein, non, est-ce que si tu me dis qu'il y en a 5... Non, mais attends, si tout l'équipement qui porte sur eux, ben, les épées, tout ça reste. On a besoin. Yannick, on a besoin de la dernière clé ou pas? Si on veut. C'est pour savoir si il est ce qu'il porte. Pas les vêtements, mais ce qu'il porte, les épées, tout ça se désintègre. Donc on est si le machin. Ouais, en fait, on va voir. Ouais, c'est intéressant. Bah oui. Mais celui-là, en fait, c'est le dernier. T'as pas encore dégommé celui-là, tu vois qu'il a le collier. Mais tu vois que c'est Est-ce que les autres, tout ce qu'ils possèdent se désintègre. Il vient tout près. C'est qu'ils ont sur eux, ouais. Voilà. J'aurais pas dû poser la question parce que tu vois, j'ai donné une idée objet. Je peux pas dégommer celui-là, en fait. Non, non, attends. Il faut autour du cou. Ouais. Et il continue à frapper, il a quoi en main lui? Il a un sabre ou il a... Il a une épée. Lui il a une épée. Voilà, ce qu'il faut faire c'est le sortir, le plaquer, retirer le sachet. Sinon je peux essayer en tout cas avec mon javelot de récupérer le truc. Et toi de l'accrocher. C'est un peu bête mais... Non. Je sais pas. Faut pas dire des trucs, mais après ça donne des idées. Non, après, il a... non, ça rappelle des trucs. Après, c'est un objet magique, peut-être. On sait jamais. Mais bon, on va prendre des risques, hein, parce que sinon. La question c'était de savoir si, ceci dit, si c'était vraiment c'est utile. Quand même, vous êtes waouh, quoi. Enfin. C'est là, quoi, ce truc. Enfin, on a combien de kilomètres du truc? Non, mais bon, il y a une logique derrière. Bah, on a compris la logique. De toute façon, c'est le propriétaire de la tour qui les a envoyés ici. Donc forcément, apparemment, il a peut-être donné une clé de son machin à un des gars qui était venu ici, quoi, à la base. Donc c'est logique. Pourquoi alors qu'il les a tués ou alors il était corrompu par la pierre pour s'en débarrasser? Il est peut-être possédé ou je sais pas moi. Pourquoi il n'aurait pas récupéré sa clé? Mais parce qu'il fallait qu'il l'ait autour du cou pour qu'il continue à être comme ils sont là, c'est ça? Non, c'est juste une clé, quoi. C'est la dernière clé, en fait. C'est le signe qui leur permettait de rester... Il n'y a plus que cette clé-là, sinon on a dans toutes les clés pour rentrer dans le bazar. C'est celle qui nous manque. Ça sera très intéressant qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Bon, on lui libère un maximum de place pour que lui puisse sortir de son endroit, en fait. Enfin, on peut faire tous les faire avec l'épée, on peut utiliser le bouclier, on peut le laisser sortir, oui, si tu veux. Mais moi, j'ai peur qu'on retombe dans le même problème où on va avoir les boulis sur la gueule, quoi. Je sens le truc arriver, en fait. C'est ça qui me... Mais on peut. Là, on laisse suffisamment d'espace pour qu'il puisse sortir, on le laisse sortir, quoi. Ok, faites tous un jeu d'initiative. Voilà, combat. Voilà. Non. 50. 55. 57. Ok. Toi, dans l'ordre. Lui, il est encore seulement en train de sortir, en fait. Alors, vous voyez son bras qui part dans tous les sens, comme s'il ne le contrôlait pas, quoi. Je pioche son bras comme j'ai fait au premier. Faire un CC. Bah, et ça. Parce qu'il bouge beaucoup, hein. Il est étonnamment rapide pour un Thanos. De toute façon, c'est dire, c'est... 2 degrés de raté. Ok, bah, tu tapes à côté, Conrad. Ouais. Écoute, je sais pas si avec un malus je peux essayer de faire, c'est de lui planter la main dans la main avec son épée, en fait. Ok. Surtout les quatre filles agissant. Avec encore à corps. Ah non, avec une flèche. Avec une flèche. D'accord. Un moins 10, c'est l'action complète. C'est 0,8. Tiens, j'ai envie de les faire aujourd'hui. Tu lui plantes dans la main. Lui, il a comme un réflexe de partir en arrière comme ça, et t'as le... Je l'arrache, alors à ce moment-là, le pendentif de son cou. C'était pour ça, en fait. Ça. Et puis je recule. Il tombe en poussière, en fait. Et là, on voit... En faisant juste ça Juste en faisant juste ça. C'est Dagmar qui nous... Il fallait vraiment... On faisait pouf, comme ça, il explosait, quoi. D'accord, ok. J'ai eu le bon réflexe de vouloir absolument retirer le colis tout de suite. Bon, ben voilà. Et c'est là où Dagmar arrive. Merci de les avoir réunis. Et voici Dagmar, en fait. Sauf qu'il ne dit pas merci. Non, Dagmar n'arrive pas. Et il a un tas de poussière. Et Conrad qui tend la main vers vous avec le pendentif au bout de sa main. Et en vérifiant, c'est effectivement le dernier de la série. On a bien fait de parler de la dernière. Bien, on l'emballe.
je te le donne. Vous avez un petit moment d'émotion. Là, on vient de combattre des squelettes. Hein, je sais pas, mais bon. On va s'occuper de leur âme, peut-être. Ben oui, vous êtes aussi un peu perturbé. Enfin, en plus, ce que vous avez vu, je vous ai parlé encore un jet de force mentale sur ce coup-là. Moi, c'est la première fois qu'on combat des morts vivants. Faites un jet de force mentale. J'insiste. Mais non ! Non, arrêtez, pas forcément. Hein. Pourquoi ? Ben moi, ça va. C'est pas la première fois qu'on combat. J'ai mes 10% en plus. C'est pas la première fois qu'on combat des morts vivants. Je me souviens plus. Allez, vas-y. Dans une tour. C'est réussi, mais. Moi, oui. Moi j'étais pas là dans la tour. Vous avez mis le ça va, bah, vous en remettez. De toute façon, je comptais pas faire de problème maintenant. Donc c'était juste pour rigoler. On peut quand même considérer que t'es troublé parce que t'as vu. Pour toi, un squelette, ça marche pas. D'ailleurs, tu comprends pas comment ça fait sans chair et d'où venait la voix. Donc, ça, c'est des grandes questions qui vont te poursuivre pendant longtemps. Ça a encore une cochonnerie de trucs magiques et ça commence sérieusement à me brouter. En d'autres termes, voilà. C'est dit avec les termes de. Dans même des bois. Je suis en train de me dire qu'il a pris le contrôle d'un des gars et qu'il est probable que ce gars a dû provoquer l'éboulement ou peut-être même assassiner ses camarades après se tuer lui-même, un truc dans le genre. Ah, ça tombe, c'était une cache où il dormait, il y avait des paillasses et tout ça, quoi. C'est des paillasses pour la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a juste ensevelis et tout. Il a fait tomber la paroi, eux se retrouvaient en sevelis. En tout cas, il avait pris contrôle d'un des gars, puisque pour que le gars ait le truc autour du cou. Ouais, c'est ça, il a peut-être pas réfléchi. Il y a quand même la malédiction qui est là, quoi, tu vois. Elle est quand même là. C'est pas juste un fantôme, là. En tout cas, voilà, c'est réglé. On remet les os à l'intérieur, avec du bout de la planche, comme ça. Et puis, je pense que là, ils ont une sépulture. C'est juste des morceaux, c'est juste de la planche. On va fouiller un peu les trucs, quoi. On peut rentrer dedans, maintenant? Oui, si vous voulez. Bah... Ça peut encore s'écrouler. Mais écoute, effectivement, ça peut encore s'écrouler. Je casse un petit peu pour créer une ouverture, mais... Je sais pas, il faudrait bloquer pour être sûr que si ça s'éboule, qu'on ait quelque chose... Il n'y a pas des bouts de bois qui traînent ou quoi? On a tout laissé dehors, donc. Tu sais ce que je peux faire? C'est que moi, je peux aller à l'intérieur et regarder s'il n'y a pas des bouts de bois dans le fond. Avec la lanterne, si on... Non, mais moi, j'ai pas besoin de la lanterne. Non, mais je veux dire, si on regarde avec la lanterne, qu'est-ce qu'on voit dans... Qu'est-ce qu'on peut éclairer? Est-ce que c'est encore profond? C'est une petite salle, en fait. Et tu vois qu'il y a des... Sur les parois, il y a des traces de... De doigts d'homme, quoi. Ça a été usé jusqu'au bout. Visiblement, il y a un autre... Comment... Non, il n'y a pas d'autre. Il reste des merdes, quoi, qui leur appartenaient, quoi, des sacs, des trucs comme ça, c'est des couchages qui sont dans un état déplorable. C'est tout ce qu'il y a ou bien je... Ben, visiblement, sans trop. On peut, sans trop se tromper, imaginer que l'agonie était longue et pénible et. Tu remarques que certains des squelettes que vous avez abattus. Il reste des morceaux de leurs membres séparés de là. Genre un bras, un pied, une jambe. Ils se sont mangés, quoi. On peut émettre cette supposition. Et le dernier, il avait tous ses membres? Celui qu'on avait la clé. Au moment où... Celui-là, il lui manquait une main. Ah oui, quand même. Donc, peut-être pas aussi contrôlé que ça, en fait. Vous êtes un peu mal à l'aise là-dessus. Ouais. Voilà, la froideur de l'endroit reste la même. On a libéré les 5 esprits. Bon. Maintenant, Moi, je pense qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait ici, quoi? Ben, il faut faire une petite prière, la libérer comme elle nous a suggéré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, je veux dire? Puis ça fait du bien. Druid? Lui, il arrive, Il installe, il s'assied sur une pierre, quoi, parce qu'il ne se sent pas capable de rester en position. Moi, je dispose. Donc, ils étaient 4, hein, là. C'est ça. Oui, c'était 4. 4 pièces d'or. Oui, c'est ça. Et je fais une sépulture aux pièces d'or.
D'accord. Qui vont représenter symboliquement les corps absents. Voilà, je crée un lien. D'accord. À travers les pièces d'or. Donc et ça fait que j'ai dépensé 5 aujourd'hui. Et donc les armes disparaissaient aussi en même temps, ta poussière. Ou les armes étaient restées. Non, il avait dit que les armes disparaissaient. Ils avaient sur eux quand c'est parti en poussière. C'est ça. La malédiction est forte. Hein. Maintenant, tu peux fouiller dans leur merde. Hein, dans leur non, c'est juste pour qu'ils aient un objet chacun à eux, qu'on puisse disposer à côté peut-être de la pièce d'or, pour qu'ils aient une individualité. Quoi, que non, ici, ils ont été visiblement vraiment désintégrés. Quoi. C'est ça. Et ils ont l'air d'avoir reçu... Ah oui, on les a... Oui, ils sont... c'est de la poussière. Je peux regarder dans leurs affaires, c'est pas très... Ça me met mal à l'aise, mais je peux regarder. Parce que j'ai fouille, moi, normalement. Enfin, j'ai fouille, ouais. Je suis pas très doué, là-dedans, je pense. Genre, je vois rien du tout. Ou je fais 98, donc je ne vois rien. Ben, tu vois, tu te précipites vers le truc, et puis tu t'es, un peu comme tu le disais, retenu au dernier moment. Tu as eu le sentiment que c'était pas une bonne idée de toucher à ça. Et t'as renoncé à fouiller dans leurs affaires. Parce qu'à ce moment-là, tu vois Dieter qui est en train de déposer très respectueusement des couronnes d'or pour symboliser leur tombe et leur truc. Et toi, tu t'es dit, bon, je vais peut-être pas encore. Ils ont déjà assez. C'est peut-être irrespectueux. Je regarde quand même juste sur les murs s'ils ont. Je sais pas, leur écrit quelque chose avec leurs doigts ou quoi. Ils étaient dans le noir complet. Hein. Ouais, moyen. Pendant un moment, ils ont probablement essayé de faire un petit feu avec ce qu'ils avaient, mais. Des os. Tu remarques quand même que ça sent vraiment enfermé et tu vois pas de. Il devait y avoir très peu d'air qui passait. Juste suffisamment pour agoniser un bon moment, mais pas assez pour être énergique et se lancer dans des grands travaux, quoi. Ceci dit, en regardant les parois, tu remarques que le plafond a toutes les chances de s'écrouler. Oh, je fonce. Ça n'a même pas le temps. Si vous me le malmenez un peu trop. C'est ça. Ça demande un certain calme d'exécuter le rituel en sachant ce qu'il y a au-dessus de vous, en fait. Rien au-dessus de vous. Pas regarder, moi. Je suis occupé. Moi, je crée une tombe. Ouais, t'es vraiment à ce que tu fais, quoi. Voilà. Peut s'appuyer sur mes symboles d'ailleurs. Ok. Eh bien, la cérémonie se passe sans problème. Vous êtes plus fatigué quand même que à la cérémonie précédente. Si c'est un peu le même topo que tout à l'heure, vous vous sentez malgré tout revigoré, en tout cas au niveau de votre esprit, de votre âme. Même si vous êtes épuisé physiquement. Et la place semble assainie, en fait. Étrangement, il n'y a pas. C'est la même salle obscure, mais elle n'est plus. Il n'y a plus ce truc extrêmement négatif qui en ressort. Donc c'est comme si la souffrance avait décidé de s'arrêter. Et par là même, votre propre souffrance s'est atténuée. Bien. Vous ressortez de, je suppose, de... Nous on avait envie de rester là en fait. C'est un bon point pour dormir un peu. D'accord. En sortant, ben... Ça c'est cool. Mais oui, c'est ce que je me disais. Mais c'est pas plus mal. C'est bien. C'est. On n'a pas dérangé plus. Oui, ça n'a pas l'air d'être. L'éboulement n'est pas un phénomène totalement naturel, voilà. Et vous êtes là et vous fixez la clé.
La température a légèrement monté. Et de votre estimation, on doit être pas loin du petit matin, en fait. Ouais. Il y a toujours, vous entendez toujours les eaux souterraines. Mais vous ne trouvez pas d'autres couloirs, d'autres tunnels, là où vous êtes, quoi. Ouais, donc il y a plus, il y a par là et par là. On pourrait déjà monter par là. Je reste assez silencieux, moi, et en arrière, avec ma capuche baissée sur la tête. Et... D'accord. Concentré sur les bruits de la caverne. C'est vrai que l'ambiance, même s'il y a une forme de soulagement, l'ambiance n'est pas la fête, hein. Soyons clairs. La zone, la région reste quand même plombante, on va dire. Je sais pas qu'est-ce que vous prenez comme décision. On va vers l'eau, hein. On va vers l'eau, quoi. On va vers le courant, hein, parce que tu dis qu'il y a. Ben, tu vois que c'est le courant donc va de comme ça. Vous êtes ici devant, et alors le courant va comme ça. Il est très fort, en fait. C'est une espèce de petit torrent, quoi. De ce côté-là, c'est assez haut, enfin il y a un bon mètre quoi, entre l'eau et le plafond. Et de l'autre côté, il y a 15-20 cm. Ouais. Et le courant a l'air très fort en tout cas. Et ça mène où ça, truc-là? Attends. C'est juste de l'eau, il n'y a pas de passage. C'est comme une chute d'eau. Elle fait un jet de perception quand même. Est-ce que c'est une chute d'eau qui aurait été creusée par... Deux. Tu vois rien de spécial. Oui, c'est de l'eau. Visiblement, ça a l'air d'être un truc... C'est de l'érosion, quoi. Il n'y a pas la marque de l'homme ou d'autre chose derrière. C'est un courant d'eau souterraine. Et l'eau a l'air... Comment? Parce que Druid disait qu'il fallait se méfier de tout. Oui, mais bon. Est-ce que cette eau est mauvaise? Comment on peut savoir ça? Est-ce que la lame... Le chat boit un peu? Mais le... Mais vas-y. Le druide vient voir. Hein. Oui. Il se concentre un peu au-dessus, quoi. Il plonge un peu ses mains dans l'eau. Il se concentre. Cette eau est souillée, mais étonnamment, elle semble plus pure qu'auparavant. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de druides qui parlaient de l'eau de cette région, c'était juste un poison virulent. Un petit peu comme l'eau qui est dehors. Je déconseillerais de la boire actuellement. Pardon ? Un petit peu comme l'eau qui est dehors. Oui. Mais... Là, c'était... Oui, c'est... Un peu comme dehors. L'eau du lac. Et là, visiblement, si elle n'est pas potable et s'il est très conseillé tout de même de la boire ou de se baigner dedans, tu vois, qu'il fait ça en même temps qu'il est en train de s'essuyer sur un bout de tissu, quoi, et en utilisant un baume. Donc c'est un truc avec de la cendre et de la résine qu'il utilise comme ça. Semblerait qu'il y ait eu une évolution positive. Bien, ce ne sera pas mieux pour moi. Par contre, ce qui m'arrive... J'en informerai mon ordre. C'est mon signe. Ça veut dire qu'il reste peut-être de l'espoir. Oui. Et que les choses peuvent se réparer sur la longueur. Oui, ça serait bien. La question, c'est où va cette eau, en fait? Parce que ça a l'air de descendre. Tu vois qu'il est... Enfin, il dit ça avec... C'est parce qu'il est affaibli, quoi. Vous voyez vraiment que dans son œil, ça brille, quoi. C'est... Ça le requinque, oui. Bah, c'est plus qu'une putain de bonne nouvelle, en fait. C'est même une découverte. C'est que, quelque part, la nature peut reprendre, avec du temps, beaucoup de temps, elle peut vaincre nettoyer doucement ce qui a été sale, quoi. Si on lui laisse un peu de répit. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 ans de passé, là. Oui, mais en même temps, tout revient. Il se nettoie quand même les mains, après, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà.
Et peut-être que dans 200 ans, on pourra y poser un gros orteil, quoi. Chose qui pensait impossible jusque-là. Hmm, c'est bien. C'est un optimisme. Bah non, vaut mieux que ce soit dans 200 ans que jamais, quoi. Peut-être que dans 500 ou 600 ans, il y aura une forêt ici. Hein. Et vous savez où aboutit ce courant, puisque vous avez de le connaître? Parce que là, ça descend. Je viens faire sa connaissance. Mais ça descend vers quelque chose... Vers les profondeurs de la Terre. C'est ça. Et vu ce qu'on a vu dans les profondeurs de la Terre... On peut imaginer ce qui grouille. Ceci dit, il est possible aussi que cette eau... Tu vois, il se reprend un peu, quoi. Il est possible aussi que cette eau... Et là, tu vois qu'il a l'air de se... Racrapoter un peu. Il est possible aussi que cette eau soit une source souterraine qui était enterrée bien profondément, qui vienne d'une autre région et qui est bien seulement passée dans la région C'est déjà avec l'érosion. C'est déjà de l'espoir, hein, ça. Non, ça voudrait dire que c'est une source pure qui est simplement parasitée par ce qu'il y a ici. C'est ça. J'aime assez l'idée de penser que ça se nettoie. Donc en fait, je pense que cette eau passe depuis longtemps ici. Souhaitons-le. Sur une échelle de 200 ans, ça m'étonnerait que... En gros, si on tombe dans cette eau sans la boire... Il faut bien s'assécher. On peut survivre, on n'est pas non plus... on va pas rester trop longtemps dedans, mais... D'après mon estimation, oui. Mmh. Mais je vous déconseille de vous payer dedans. Bien. Oui, c'est ça. Il y a une question qui se pose aussi. On était venu à la recherche de deux personnes. On l'a toujours pas trouvé. Mais on va continuer à... Il y a d'autres chemins maintenant qu'on n'a pas encore vu. Il y a un chemin éboulé, et ici... Là, en fait, c'est... Si vous prenez l'autre petit couloir en face de ce qu'ils ont fait comme éboulement, ça mène de nouveau à la rivière souterraine. Quoi. Ouais. Donc en fait, ça tourne en rond ici, sauf qu'il y a l'éboulement qui ont... De là où ils viennent, ça tombe, ils viennent... C'est peut-être là où il faut aller, en fait. Hein. Bon, c'est... Oui, ils se sont peut-être coincés aussi bêtement. Hein, coincés, mais... Alors, c'est peut-être... Oui. La femme a été peut-être voir leur chef à eux. Oui. Oui, de toute façon, vu Krabs et son mode de réflexion, ça m'étonnerait qu'il soit venu tout seul jusqu'ici, comme ça. Enfin, je sais pas. C'est peut-être ça, en fait, que comment t'avais dit, les... Skaven. Ils n'ont pas voulu qu'on les suive. Non, mais c'est peut-être pour ça que les Skaven étaient là. C'est parce qu'on leur a dit que c'était ici. Oui. La femme leur avait peut-être dit qu'il fallait venir chercher le collier ici. Et donc, la femme est peut-être en contact avec les Skaven. Parce que n'oublie pas qu'elle avait quoi un ou deux jours d'avance sur nous. On l'a vu encore récemment. Ce qui correspond au fait le temps qu'elle arrive, qu'elle essaie de discuter avec ces machins-là. Enfin, comment un être humain peut communiquer avec ces bêtes-là, quoi, déjà, mais bon. Enfin, c'est une théorie, quoi. Encore. Oui, c'est ça. Elle cache ses nécroses par le parfum. Donc si ça se trouve, elle est elle-même. C'est elle, quoi. C'est une nouvelle commanditaire que je connais. Bon. Mais donc voilà, elle a tout intérêt. Oui, c'est peut-être pas. T'as peut-être raison hein, sur le coup là, de te dire ils viennent juste récupérer le dernier morceau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas le reste et ça doit le savoir puisque c'est nous qui l'avons. Ben oui, mais ça tombe, elle se dit quoi. Autant que nous l'ayons pour le moment et puis elle vient de nous chercher qu'on a. Ben en fait, on est venu faire son travail, quoi. Est-ce qu'on a encore quelque chose à faire dans cette caverne? Dans celle-ci, vu qu'il n'y a rien, non. Mais va... Vous voyez que le druide est tombé dans les pommes, en fait. On va rester... De toute façon, on va se reposer. Il était en train de vous écouter, et puis il était contre un rocher, et puis... Fatigue? Non. Il est tombé de fatigue et de toute façon... Sa blessure aussi, quoi, tu vois. Ouais, bah, ça affecte, parce qu'on n'est pas dans un endroit sain, quoi. Alors, même à l'intérieur ou l'extérieur, on n'est pas en voie 5, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fois, il y a des pommes déjà. Y a des pommes. Le corbeau se pose sur lui, quoi. Et vous voyez que ça. Autant il avait les traits tirés en tournant comme ça, autant quand il. Je ne peux pas dire qu'il est souriant, mais il reprend des couleurs en fait. Ouais. Le corbeau posé sur lui. Bon, on va laisser se reposer un petit peu, nous aussi on a besoin. Je pense qu'ici c'est mieux que dehors. Oui, c'est ça. Bon, c'est la même chose aussi.
Et c'est vrai qu'on n'a pas passé de nuit, donc si on ne dort pas, on risque d'être vraiment ça va être difficile, quoi, dans cet univers-ci. Mais qu'est-ce qu'on veut faire après? Si on n'a plus rien à voir ici, On n'a pas résolu notre objectif qui était de récupérer la femme, de trouver la femme. On a trouvé effectivement. Non, ce qu'on peut dire, c'est on peut dire, bon, tant pis. Qu'elle voulait, quoi, déjà. C'est peut-être ça qu'elle cherchait, en fait. Hein. Que c'est peut-être bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de ne pas retrouver la femme? Et alors, on va voir avec les objets à la tour, les clés, à quoi elles servent? Ou est-ce qu'on continue à chercher après la femme? Déjà, on doit faire attention que les autres ne reviennent pas. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux se reposer à côté de l'éboulement, comme ça, moi, vous l'entendez. Si, oui, c'est ça. Moi, je vais vite regarder, je me repose une demi-heure, puis je vais regarder une demi-heure à travers la... Faire un petit peu l'éclaireur ici, pendant une demi-heure, tu vois. Regarder tout autour du cratère, s'il n'y a personne qui arrive, s'il n'y a rien de spécial. Puis je retournerai me coucher après, quoi. 45 réussites. Tu fais un tour et tu constates avec soulagement que le jour est en train de se lever et qu'il est face en même temps en entrée. Mon slip de ta vue et du paysage, quoi, du ciel. L'endroit est toujours aussi plombant et aussi désagréable, mais tu ressens quand même un certain soulagement à voir cet astre grimaçant, à le voir disparaître de ta vue, quoi. En sachant qu'il a mis plus de temps à disparaître que dans d'autres régions de... Voilà, quoi, le soleil l'a croisé, quoi. En dehors de ça, rien à signaler de plus, quoi. Que ce que vous pouvez voir d'habitude. Moi, ça va, je vais retourner me reposer aussi. Hein. Ok, dors un peu, dormez alors. Ouais. Je te reverrai un peu plus tard pour que je puisse dormir un peu. Et donc, vous faites en fait une relève régulière, ouais. Tant que tout le monde est dormi, combien de temps, quoi, à peu près? On va pas non plus dormir à 10h. Pas trop, hein. C'est juste reprendre un peu des forces, surtout pour le druide. Qui soit 4 pas trop. Si tu dis pas trop, si tu viens me réveiller, je te parle. Tu feras... Non, moi je dirais dormir 6h, quoi. Par personne. Parce que vous faites des tours de. Bah oui. On laisse vraiment chacun dormir 6h, quoi. Ce qui fait que, en tout, ça fait 12h en tout, quoi. Non. Oui, puisqu'on est 3. Donc si toi... Non, ça fait 4 heures de plus, ça fait 10 heures en tout. Enfin, vous êtes 3, il y a le druide aussi. Le druide, il dort déjà, il fera pas de tour. Oui, le druide, il sort. Tu vois, donc ça compte pas, oui. C'est vrai que le druide, il compte pas, c'est ça que je veux dire. Donc ça fait 4 heures de plus, puisqu'il y en a un qui commence. Mathématiques. Réfléchis. Donc on se retrouve en pleine nuit. Ça s'appelait jusqu'à la nuit. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait jusqu'à la nuit. On ne sait pas très bien depuis combien de temps on n'a plus dormi. Moi, je dirais qu'on. Donc, vous partez en soirée, en fait. C'est ça. Ah, c'est ça, quoi. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ouais, bon, on contrepartit, c'est sûr. On part. Ou alors, il y en a un qui dormira moins que les autres et qui. Qu'on reparte à midi ou qu'on reparte le lendemain matin, c'est encore mieux. Ou alors, on reste une journée et demie à se reposer correctement. Mais ça fait beaucoup. Les Skaven peuvent revenir ou. Faut pas oublier que si on repart de nuit, on va débarquer dans la forêt maudite, là, de nuit aussi. Les flammes, quand on a mis le feu à la lampe, là, les flammes étaient rouges dans la grotte. Ou elles étaient vertes de nouveau. Non, là, c'était du feu normal, en fait. Voilà. C'est vrai que ici, on est bien. On peut se faire à manger. Non, je crois que c'est simplement parce qu'on essaie de cramer du bois d'ici, c'est pour ça que c'était vert. Mm-hmm. Et je rajoute qu'on a plus beaucoup de nourriture, donc il faut pas trop traîner. Non. Et vous avez l'impression que même le fait d'être sur place vous use. Donc on prend vraiment le minimum de repos. Je pense que le mieux c'est d'attendre. Mais ce qu'on peut faire aussi c'est tu commences 4, 5 heures. À dormir. D'ailleurs vous avez tous un mal de tête. Ça fait quand même depuis un jour et demi que vous avez un mal de tête persistant, quoi. Et vous avez l'impression d'avoir les glandes un peu gonflées. Bon, alors on va par où après? On veut qu'on repart? Bah ouais,
Parce que moi, Mangemouche, il manque, et puis... Non, mais ça va, tu crois que c'est cette... Elle va foirer, quoi. Il y a un truc qui va pas se passer comme il faut quand on va rentrer. Enfin, je m'inquiète. On laisse tomber la femme à Violette, alors. Bah là, pour le moment, on peut pas se balader partout avec lui. Non, enfin, je crois que le druide, de toute façon, faudra peut-être le ramener au village. Il n'y a pas du tout de bois qui traîne ou des trucs qu'on pourrait utiliser pour faire un espèce de brancard ou quoi. Pour tirer le gars derrière. Si, c'est du bois tortueux et tout, mais s'il y a moyen d'aménager un truc, quoi. Parce qu'on peut faire, c'est ça, quoi. On essaie de fabriquer un espèce de truc en triangle. Ceci dit, le druide se sent capable de... Voilà, de marcher, de... C'est juste que là, c'était trop pour cette nuit-là. Enfin, continuer après les traumatismes qu'il a eu, à un moment, il tombe endormi. Comme n'importe qui, après un gros traumatisme physique, quoi. Il s'est pris un couteau comme ça dans la jambe, quoi. Je veux dire, c'est passé à côté de l'artère, il a eu beaucoup de chance dans son malheur, quoi. Ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est récupérer un peu de bois d'ici, pour le garder quelques branches, tu vois, pour faire un chouette feu la nuit prochaine, au cas où, quoi, tu vois. Bon, moi je propose qu'on se prenne 4h30, on prend chacun un tour d'une heure et demie, et ça nous fait 3h chacun de sommeil. On va être crevé, mais bon, c'est mieux que rien. Et puis on repart en plein soleil. Ça fait 4h pour lui, 4h30 pour lui de repos, et 3h pour nous. Donc en tout, vous restez sur place combien d'heures? Jusqu'à midi. 4h30, quoi. Jusqu'à midi. Donc un peu avant midi. D'accord. Bah, votre équipé, vous avez sale mine, hein. Il n'y a pas à chier. Ça fait quelques jours que vous n'êtes pas lavé. On va pas se laver ici, ça c'est clair. Non, non, mais voilà, vous n'avez pas mangé totalement à votre faim. Vous avez eu. Vous avez passé une nuit quasiment blanche. Tout ça, vous emmenez pas large. Voilà. Au niveau. Manière régulière. Et. Vous retournez jusqu'à l'embarcation, jusqu'aux deux canots. Oui. Ça va, ils sont en entier. La chose qui vous surprend, c'est que visiblement la coque du. Enfin le fond du canot était déjà en train d'être attaqué par des algues et de la mousse, quoi. Mm-hmm. Vous devez gratter. Tout parce que cette mousse, en fait, en bougeant le truc, vous vous rendez compte, c'est une algue qui descend jusque dans l'eau. Mm. Donc le canot est... Pas moyen de le... Il est comme amarré, quoi. Par les plantes. Mmh. Vous perdez encore du temps avec ça. Donc là, on décide de partir à midi. Le temps de retourner sur le canot, 13h. Ça, bah, il est 13h30, 13h40. Ok, mais complètement explosé. On canote. Le druide. Ouais. Le druide vous propose un... Maintenant qu'il a pu repérer un peu le chemin sur l'allée... Je ne vous promets rien, mais il y a peut-être un raccourci. C'est maintenant que tu le dis. Dis comme ça. C'est surtout maintenant que je peux le situer. Oui. Mais c'est peut-être un raccourci vers le bas. Je ne suis pas sûr de mon raccourci. Et confiance. Je vais me fier. Et confiance quand même en notre druide. Parce que... Non, mais tu vois qu'il chuchote quelque chose à l'oreille de Graulich, son corbeau. Et il s'envole, quoi. Suivons-le. Tu vois, souvent, il plane comme ça en cercle. Sur le chemin du retour, là, je vais faire un peu accélérer le temps. Ça a été difficile, quand même. Vous avez failli plusieurs fois retourner votre canot. Tu connais pas doué. Notamment toi, ton canot, t'étais avec Emily. Vous voyez que les mousses ont un peu attaqué la coque, quoi. Et il a fallu un peu éponger par moment avec cette eau dégueulasse. Vous êtes passé par une zone où vous avez pu remarquer qu'il y avait des sangsues aussi, donc c'était tout un bazar pour échapper à ça. Et rebelote, vous avez dû camper encore une fois. Mais normalement, le lendemain, c'était bon. La nuit s'est passée... étrangement, c'était la meilleure nuit que vous avez eue. C'est-à-dire une nuit dans le froid, dans l'humidité, avec
des bruits étranges autour de vous et cette odeur de moisie régulière avec des cris d'animaux. Oh, si c'est que ça. Voilà. Si ce n'est que ça. Mais vous étiez tellement crevé que. S'effondrer. Voilà, même cauchemardé, vous en étiez plus capable. Quoi. Je viens de faire pause, ta gueule. Vous êtes à moins 10% toutes vos compétences là. Ouais. Là pour l'instant, c'est quand je dis que vous êtes épuisé, vous êtes épuisé. C'est particulièrement pénible pour toi, Billy, parce que tu as très faim. Et ce qui restait comme ration, vous pouvez les barrer. D'après l'urine de ce qui reste là, c'est du poison. Quoi. Mais donc en fait, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, j'ai des petites pendant que tu pagayes. Je réfléchis, je me dis, je te vois te transformer en tourte. Tu repenses à ces morceaux de bread jambes dans la grotte, c'est ça? En disant, est-ce que dans la même situation, est-ce que j'aurais fait la même chose? Bah, tu commences à te poser des questions sur son intention, quoi. Déjà, la veille, elle se jette avec son bouclier devant toi pour te sauver la vie, et maintenant elle te regarde amoureusement et profondément en même temps que vous êtes en train de pallier. Il va falloir qu'on ait une discussion toutes les deux. Elle a les yeux qui brillent. Je regarde tes fesses, il y a de la matière, il y a de la matière. Elle a ton cul. T'as un jeu de force mentale. Oui. Ça va. Ça va? Oui. Okay. Je sais pas. Ça va. Ça va. Tu voulais nous faire une blague là. Et alors... Ouais, en tout cas, elle te fait. Et alors la cougar, et alors non. La cougar. Il y a pour que tu me prends. Qui te mettent un peu mal à l'aise, quoi, en fait. Tellement rouge, mais pas comme tu crois. Et à l'aube du deuxième jour, oui, quand vous avez redémarré, sans avoir déjeuné, sans. On n'a plus rien, ouais, parce qu'on n'a plus rien, on n'a plus à boire, ni rien. Toujours aussi cras, et franchement. Vous avez même des frottis, quoi, des frottements, quoi. Vos vêtements collent, ils sont dans l'humidité depuis plusieurs jours, donc ce qui fait que vous avez des brûlures, quoi, des coupures. Vous avez des cloches aux pieds qui sont dues au fait simplement que vous êtes tout le temps dans de la flotte, quoi. Oui, et puis la flotte, quand même pas terrible. Faites-moi tous un jet d'endurance. Et puis les. Comment on appelle ça les... Tout réelle cicatrice, quoi. Ben oui, il y a ça aussi. Non, mais c'est raté, hein. Durant, je peux pas regarder. Tu t'es mis à tousser depuis hier soir. Et t'as l'impression d'avoir de la fièvre. T'es à moins 15% toi, de tes capacités. Les autres sont à moins 10. Toi, tu nous ramènes des cadeaux, toi. Mm-hmm. Elle te tousse sur le dos, elle te fixe. non, surtout pendant le voyage, t'entends surtout. Ton ventre qui glougloute, quoi. C'est un calvaire, hein, pour toi. T'as pas bouffé depuis... Courage, Billy, on va mettre on va mettre au arrivé. Ça peut te rendre légèrement irritable. De temps en temps, je regarde, j'imagine les mains qui sortent de l'eau en disant « peut-être que finalement... » Courage. Vous passez par une zone un peu moins marécageuse, mais plus boisée, en fait. Quand je dis boisée, c'est des arbres morts, mais vous commencez aussi à... Ça commence à redevenir une forêt moins étrange, quoi. À mesure que vous avancez dans la journée. Là, vous êtes dans une forêt d'automne. Tout ce qui paraît encore suspect là-dedans, c'est plutôt l'odeur qui correspond pas, quoi. C'est pas de l'humus agréable, c'est plutôt une odeur de pourri. Le fait que les arbres ont toujours l'air un peu tordus. Mais on recommence à avoir des feuilles normales. On recommence à... l'eau n'est plus aussi troublée. Trouble. Et... faites un jeu de perception. Non. Merci. Tout juste. Elle a repéré une tourte. Une tourte. Une grosse tourte qui pilote une barque. T'as abonné toi, en 98. Tes fesses. Elle regarde tes fesses. Arrête de regarder. Mais arrêtez de regarder mes fesses. Qu'est-ce qui a réussi? Moi. Okay. Tu constates, vous croisez un moment, tu vois, le cours d'eau s'élargit un peu. Et tu constates qu'il y a au début, tu croyais que c'était un tronc d'arbre qui barrait la route, quoi. Donc tu es en train d'un peu l'écarter avec ta.
ta rame, ta pagaie. Et tu sens que ça crame dans le tombeau. Et en le bougeant, ça fait un peu tomber les algues qui se sont mis dessus et les feuilles. Et tu constates que c'est un canoë de place qui est visiblement troué. La coque est visiblement déchirée, quoi. Il est à portée de pagaie, je veux dire. Oui. Je préviens les autres et je vais me rapproche du bazar. Pas prendre dessus, voir si c'est pas plus ou moins les mêmes même canoë que ce qu'on c'est a. C'est le même genre. Hein. C'est le même genre que ce qu'on fabrique dans le style dans la région. Ça fait longtemps que ça a l'air d'être cassé comme ça. Je demande au druide qui lui peut-être connaît, lui il reconnaît peut-être le canoë d'un. Ça, j'ai pistage. Est-ce que nos deux camarades, ce serait peut-être pas un petit peu. Ah. Planté. Quel de nos camarades? Ceux qu'on suivait. Oh non, attends. Plus elle a l'air d'être une mort vivante. Attends, les grands méchants. Oh, il vient se noyer. C'est ballot, hein. Juste, il y a encore nécromant des plus gros méchants. Nécromant ne veut pas. On va dire, pas, non. Ne veut pas être pêcheur ou militaire. Voilà. Alors, quand on met toutes ses compétences sérieux, en magie, c'est ça, ouais, le biais canotique. Je suis allé quand il se retourne, il sent, je retire un tisson, j'étais en train de cramer. Non, je ne l'ai pas mangé. Deux grades de Non, je rigole. Et tu voulais aspecter quoi exactement? Voir si ça pouvait être acquis, voir s'il n'y a pas des objets qui pouvaient être reconnaissables. Ça ressemble fort au style du truc, quoi. Et le druide, il hallucine en voyant le truc, quoi. Pourquoi? C'est un de mes kayaks. Il y en avait beaucoup, des kayaks? Peu de temps avant que vous arriviez à Winterbaum, on m'avait volé un kayak, chose qui m'avait étonné. Mais je me suis dit que c'était peut-être des gens de passage, et peut-être que ces gens de la ville... ont voulu collectionner ou rapporter ça chez eux. Que voulez-vous, une fois que c'était perdu, c'était perdu. Les seuls qui étaient... Mais à la base, ou alors c'était l'eau, le courant qui l'avait emporté, je me suis dit, enfin... Comment ce kayak... Enfin, deux questions. Comment ce kayak a l'air d'avoir été brisé? Voir si il a percuté un rocher... le même, je récupère le même. Ah, t'avais fait ton... Ouais, j'ai fait deux grades de réussite. Ok. Visiblement, le gros truc qu'il y a dedans, là, le gros trou, on dirait des marques de mâchoire, quoi. Ah, ben ça je le signe au druide, lui devrait ça quand même connaître les animaux de son marais. On n'est pas encore vraiment dans mon marais, si enfin, on appelle ça comme ça. De sa région. La nature est libre, mais visiblement, c'est une créature avec... une mâchoire de belle taille qui a fait ça. Un beau bestiau. Mais... Et toi, avec le pistage, tu vois que il y a quand même des traces de... Tu regardes un peu plus loin dans les... Ouais, sur la berge. Ouais, sur la berge, tu vois qu'il y a des traces un peu de... Tu vois que c'est pas homogène au niveau des feuilles, quoi. Il y a un endroit où visiblement c'est fort secoué. Ouais, je vais le voir par là, pour voir si justement des souris auraient pu... passé par là pour... Il aurait sorti de l'eau, il serait passé par là, enfin, toi, on voit. Pas encore rentré. Tu vois un petit monticule comme ça, avec des feuilles dessus. Oui, mais avant de m'approcher, t'es gentil, mais... Même d'ailleurs, viens avec toi, parce que là... Je vais juste te demander, donc on est bien clair que je n'ai pas récupéré de points de vie. Ah ben non, de toute façon, tu m'avais tout rendu. Non, vous n'avez rien récupéré. Non, mais tu m'as tout rendu. Non, mais il a tout... Il a guéri tout le monde. Ah guérison, oui, ça va. Ok, oui. De la guérison de Dieter, ça va récupérer ses points. Le petit monticule avec des feuilles, ça peut très bien être une grosse... C'est pas un petit monticule, c'est un monticule. Ah. Ça fait un bon 50 cm de haut et ça fait près de 2 mètres de long, quoi. Ok, c'est une sorte de... sans faire de bruit, je fais le signe au druide et je monte le machin là pour voir si lui... Non, à mon avis, ils ont buté la bête, en fait. Bah non, c'est peut-être la bête en fait, qui est juste en train de dormir dans l'eau et qu'on voit son dos. Il prend son bâton, quoi. Ouais, moi je prends mon javelot. Non, mais c'est pour voir si lui, il connaît peut-être. S'il connaît la bête, il connaît peut-être que ça ressemble à un dos de bête, comme ça, moi je sais pas, moi, je suis gros parano. Je connais pas non plus.
Il te fait signe. Mais je fais un petit jet. Tête comme ça quoi. Je fais un petit jet d'observation pour rater. Je vois pas. Hein. Bah il avance, tu vois le druide avance dans le truc en boitant. Ah mais attends, c'est moi qui vais, je vais le faire, je vais pas le faire à sa place quoi. Enfin non, je vais pas le laisser faire. J'ai pas envie qu'il ait se faire bouffer quoi. Alors ce que je fais alors, enfin, je lui demande de reculer mm-hmm. et je tire un coup de flèche. Ou non. Aïe. Mais t'es contre. Tu tires et ça s'enfonce dans la masse. Mm-hmm. Et tu vois ta flèche est plantée dedans. Et puis tu donc bien droite comme ça dans le monticule. Et puis à un moment t'entends un truc qui fait. Et tu vois ta flèche, la moitié de ta flèche qui a enfoncé dedans fait. Elle fond. Elle fond comme ça. Bon, moi je dirais qu'on fond cavale. Hein. On va pas rester ici. Je sais pas ce que c'est. Mais... Et qu'est-ce que vous faites? Mais on remonte dans le canot, mais par contre, on va quand même pas laisser ça. Enfin, il faut trouver une solution à ça. Hein. Je discute avec un peu. Faites tout ça, j'ai une perception. C'est... Attends, ça, c'est ce qui est sorti de l'eau, ça? Non, mais par rapport à la. D'après toi, s'il y a une bagarre, c'est dans ce coin-là. Tu vois? Visiblement, d'après ton dépistage, il y a au moins. C'est un canot de place, s'il y avait deux personnes, il y en a au moins une des deux qui est sortie du truc. Ouais. Mais tu vois que. Et il y a l'action quand même. Ma flèche, elle a fondu en fait, c'est que tu m'expliques. Ok, d'accord. Taïdor, il a mangé. Quoi? Non, je blague pas, peut-être il dort parce qu'il a mangé. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on se casse quoi. Bah moi j'ai réussi, oui. Raté. Raté. Raté, et toi? Réussi d'une unité, enfin, de degré. Bah, donc tu vois qu'ils sont en train de reculer là, et tu vois que le monticule là, t'as l'impression de voir un endroit où il y a moins de feuilles, quoi qu'ils n'ont pas visiblement vu, où il y a une espèce de long tentacule. Ouh les mecs, on c'est pas bon. Qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas, oui, il y a une tentacule qui ne bouge pas. Une tentacule. Faudrait détecter si c'est une oui, tête. Oui, non, mais tu as acheté une. Elle a... Ta flèche, en fait, est peut-être acidifiée. En fait, toi, elle a peut-être. Ce truc est peut-être effectivement mort, mais il a encore des fonctions. Vous voyez que le druide regarde autour de lui aussi parce qu'il se méfie de. Vous n'êtes pas dans une région tranquille. Non. Au-delà du monticule, il y a d'autres dangers. Peut-être des vrais dangers. On va peut-être se barrer. Parce que de toute façon, on est dans une région où il ne faut pas. Ouais, mais bon, s'il y a un survivant de quelque chose, ce serait peut-être intéressant de récupérer, tu vois. Moi, au niveau pisté, bon, je pense qu'on est tous en alerte, arme à la main, non? Moi, je regarde au niveau, si je ne vois pas des traces humaines, quelque part, quelqu'un qui regrimpe sur un arbre, quelqu'un qui... est-ce que tout rejoint... Parce que t'as repéré, il y a eu beaucoup de mouvements. Une bataille, et hein. T'as l'impression de voir... Il y a des marques de chaussures. Ouais, donc il y a eu un survivant, et en suivant les marques de chaussures, s'arrête dans le ventre de la bestiole. Mm-hmm. Moi je crois que c'est le et gars. Et un autre truc aussi, c'est que tu vois qu'il y a un tronc qui a visiblement été cramé. En fait, à l'acide. Non. Non. Au feu. Il y a. Et c'est au milieu du tronc, quoi. Il y a une marque de feu. Est-ce ça. Que toutes les marques de chaussures s'arrêtent dans cette clairière? C'est-à-dire que quoi? Ouais. Après, en fait, c'est une petite zone, c'est un petit îlot sec comme ça. Mm-hmm. Après, si tu veux, c'est encore. Une clairière entre guillemets, mais c'est des marécages donc là tu sais, c'est trempé à moitié dans la flotte quoi. Tout le reste, donc on imagine mal quelqu'un qui s'en serait échappé quoi. En gros, c'est ça que tu es en train de dire. Il y a quelque chose par rapport à ce petit cube. Il y a plus de canot et la personne serait seule dans l'eau. Ça aurait été dans c'est une possibilité quoi. Mais imaginez que quelqu'un puisse aller comme ça tout seul. Bah, tu vas me dire, en même temps, c'est une sorcière, donc excuse-moi, elle balance une boule de feu pour tuer la bête, mais là, en attendant, l'autre, il s'est fait bouffer la gueule. Moi, je crois que c'est ça l'histoire. Et il t'a accompagné d'un autre gars. Et à mon avis, il a donné sa vie pour elle, quoi. En tout cas, le monticule, il bouge pas. J'utilise ma fronde, je balance un caillou. Tu l'envoies à pleine vitesse, non? Ouais, je vise en plus. Dans le monticule? Oui. Et tu vises quoi? Le plein centre. Le quoi? Plein sang, plaf. Ça pénètre dedans, t'entends. Et la tentacule? Oh, je le sens passer acide ce truc. Ouais, et la tentacule? Elle bouge pas. Un coup de. Je balance un caillou sur la tentacule. Tu lances dessus.
Ça rebondit contre le tentacule, la tentacule. Elle bouge toujours pas. Non. À mon avis, c'est mort. On est en train de faire des gros parano là. Bah, vaut mieux. Non, non, mais attends, c'est une bestiole qui est censée être dans la flotte. Elle est hors de la flotte. Elle est morte. Ils l'ont tuée. Mais à mon avis, il y en a un qui a dû passer à la trappe pour que ça arrive. Et ils ont utilisé une boule de feu pour tuer la bestiole. Ça fait quand même une flèche dans la... Enfin, j'ai un fais le tour. Pour voir si avec mes connaissances des animaux, je peux pas voir. En faisant le tour, tu vois que de l'autre côté, il n'y a pas autant recouvert de feuilles, quoi, en fait. Et tu vois que c'est un être humanoïde, on dirait un humain, en fait. Mais toute sa poitrine... C'est un humain, mais sans tête. Mm-hmm. Il a une poitrine, ici. Et la poitrine, c'est deux mâchoires. C'est des dents. Des grandes dents, comme ça, ici. Et visiblement, comme il est un peu mis comme ça sur le côté, tu vois que dans son dos, bah, son dos est recouvert de tentacules. Ok. Et le reste, bah, il est à poil comme un être humain. Ok, mais ça, c'est ce qui les a attaqués, à mon avis. Ouh là là, ou alors c'est. Je reconnais pas. Ah non, je vois pas sa tête. Il n'y a pas de tête. Ouais, donc je serais pas savoir si c'est au hasard une mutation par rapport à. En tout cas, la bouche se situe au niveau du torse. Son torse est une bouche, en fait. Bah, je le remonte vite fait en disant en fait, c'est un ancien être humain, en fait. Venez voir. Ouais. Il n'y a pas de. Faites un jet de force mentale. Réussi. Ah, réussi. C'est un jet de perception que je loupe. Bah écoute, moi, tu m'aurais donné une glace, ça aurait fait bien aussi, quoi. Non, j'ai réussi, il y a moins. Ah, ok. Bah ça va, c'est pas le premier. Je regarde ça comme si... Ah, c'est un mutant, quoi. Si, c'est vrai. Ah, c'est pas la première fois qu'on en voit. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Mais celui-là est quand même assez particulier. Ouais, mais... Bah oui, il est dans une zone... C'est juste aussi, des dents pointues, comme ça. Visiblement, son torse s'ouvrait en deux. Mais bon, si on a vu des j'aimerais bien retrouver des traces de bottes. Parce que... Apparemment, il n'a pas bouffé l'eau d'autre humain, ça se verrait. Mais, fais un jeu de pistage. Ça se verrait, tu peux l'ouvrir. 04. Bah, tu vois effectivement qu'il y a eu des traces de pas. Et c'est combien de réussite? 4 degrés. Ah ouais, quand même. Deux personnes différentes. Et Aragorn, visiblement, ça s'est passé dans une zone marécageuse. Là. Après, tu perds la piste. Ouais. Mais ça se dirige un peu vers la direction que c'est, en fait. C'est bien deux personnes. Et c'est, deux personnes, maintenant. Qui dirigent dans la même direction que nous. Ouais. Bon, bah... Ah, qui reviennent, qui, pas vers le... qui repartent vers le village. J'ai demandé au druide, vous êtes rendu compte que le canot avait disparu combien de temps avant qu'on arrive? Deux, trois jours avant ou... Deux jours avant. Ouais. Deux jours avant. Et les autres sont arrivés deux jours avant. Oui, mais ça veut dire que ça nous a pris combien de temps pour revenir? Deux jours? Non. En fait, c'est plus ou moins le même temps. En fait, on a fait le même temps d'aller-retour. Et on a pris deux jours pour revenir de là-bas? Oui, là, ça fait deux jours que vous êtes en route. Donc ça veut dire qu'eux ont eu le temps de revenir. S'ils ont fait le même chemin, aller-retour, ils sont peut-être rentrés, quoi. Non, bah nous, ils ont deux jours d'avance sur nous. Au niveau de pistage, moi, ce que je peux détecter, oui, depuis combien de temps ça a l'air d'être là. On a intérêt à se brouiller, quoi. Ouais. Depuis combien de temps ces traces de pas sont... Depuis combien de temps, en fait, ils seraient passés par là? Ça, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. C'est vraiment des restes, en fait. Hein. Le canoë a eu le temps d'être couvert de trucs. Ouf, tu vois que... Ouais, une façon d'être... tout se recouvre très vite ici, t'as bien vu avec les trucs. Les rives sont pas naturelles. Le canoë, tu pourrais aussi te dire que en pistant, bah... On dirait qu'il était en direction, pas de retourner vers le village, mais d'aller vers la cuvette. Mais bon, avec le courant, peut-être qu'il a bougé aussi. Non, de toute façon, c'est vraiment pas clair à ce niveau-là. De toute façon, juste avec les règles de la nature qui changent, c'est impossible de détecter. Ils sont déjà rentrés et ils sont peut-être même au village, monsieur. Bon, ben continuons. Ouais, continuons. Et en tout cas, ils se sont fait attaquer, au moins. Le druide a l'air inquiet, quoi. Oui, allons-y. Juste, de toute façon, ça veut dire qu'il y a des mutants tout près. Chez vous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais. Ça, je n'en doute pas, mais on est encore dans la zone interdite ici. Pendant qu'il pistait, je regardais un petit peu pour trouver peut-être un objet personnel à eux dans la bataille ou dans le fait de se retrouver. Un jet de fouille. Un peu ça. Ah. Et j'ai fouillé aussi. Non, c'est raté. Tu peux faire un jet de fouille aussi alors? Ça me fait chier. Oui, je peux. Pas de grand chose, mais j'ai raté. Trouver. Non plus.
De toute façon, vu la nature du terrain. Ouais, c'est ça. Les atomes, ils ont peut-être bouffé, machin. C'est, non, le temps d'être là, peut-être... vous êtes déjà enfoncé de ça, quoi, dans le truc. Trouver un truc avec une mare de cuisson ou un truc d'un genre qui puisse. Eh ben, t'en as pourvu. Bah non. Voilà, bon, allez. Mais en tout cas, on sait qu'elle balance des boules de feu maintenant, c'est. Vous vous doutez bien que c'était la magicienne. C'était la nuit et elle a juste lancé sa torche contre. Ouais, ça fait cramer. Bon, moi aussi, j'ai fait cramer. On va rejoindre notre cher canoë. Si bien. Et on va retourner au plus rapidement possible au village. Parce qu'en plus, ça inquiète notre druide.